Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Ce dimanche où nous chantons « Venez divin Messie », où nous entendons le texte de l'Annonciation avec ce vis-à-vis magnifique de l'ange Gabriel qui vient au-devant de Marie et de Marie qui rencontre l'ange Gabriel et la source d'une joie anticipée de cette promesse de Dieu qui s'accomplit. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent et aussi sur les ondes de KTO ou de Radio Notre-Dame, en particulier ceux qui nous rendent témoignage de la Belgique, par exemple, ou de la ville de Vesoul. Nous avons des témoignages très heureux de votre prière et cela nous encourage à vivre l'espérance dont l'Église témoigne en ce temps, en cette fin du temps de l'Avent, pour mieux accueillir tout ce que Dieu nous donne. Car malheureusement, mes amis, nous passons à côté de ce que Dieu nous donne. L'Avent nous a, je l'espère, réveillés pour bien discerner ce que Dieu attend de nous. Demandons la grâce de la générosité, en même temps que nous demandons pardon pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous te prions, Seigneur, de répandre ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan : « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi : « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais, cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite ? C'est moi qui t'ai prise au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. » J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai. Il s'y établira et ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël.
Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, à celui qui peut vous rendre fort, selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations, pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée, car elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur de lui donnera le trône de David, son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit: « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. » Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et elle en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Acclamons la parole de Dieu. Je crois que tout le monde aime bien la célébration de Noël parce que on sait parfaitement ce qu'on va y faire, notamment à la messe. Je ne parle pas dans les réunions familiales où on s'attend à peu près à des choses un peu similaires aussi. Mais on sait les prières qu'on va dire, on connaît les textes que l'on va entendre et on sait les chants que l'on va chanter. Comme quoi la familiarité excite la joie. Et on a entendu comme prière aujourd'hui l'oraison qui a été reprise dans la prière qu'on dit trois fois par jour, si possible, la prière de l'Angélus. Et la prière de l'Angélus, avec les trois temps, l'ange du Seigneur apporte l'annonce à Marie: « Je suis la servante du Seigneur, répond Marie. » Et le Verbe s'est fait chair à habiter parmi nous, est une prière qui est tenue en une grande estime. Et les cloches sonnent normalement trois fois par jour, à 7h du matin et à midi et 7h du soir, pour nous, parce qu'elle résume parfaitement la rencontre entre Dieu et son peuple. C'est Dieu qui a l'initiative. Oui, mais il faut répondre et s'engager. On n'est pas passif. Et il se passe quelque chose dont on n'avait pas l'idée. Ce sont ces trois temps et je profite donc de l'occasion de ce quatrième dimanche de l'Avent pour remettre, s'il le fallait, en honneur dans cette prière que l'Église recommande. Et pourtant, ce qui semble aller de soi ne se fait pas sans être un peu difficile. C'est presque fastidieux. En tout cas, ça coûte cher de répondre, semble-t-il, à l'appel de Dieu. Et Marie, vous l'avez entendu, est toute troublée par ce que dit l'ange. Et il me vient à la mémoire, j'avais préparé bien sûr, mais un sermon de saint Bernard, qui est assez extraordinaire parce que saint Bernard, qui médite avec une lumière incomparable, les mystères les plus ordinaires, les plus connus du salut, les prend justement de manière extraordinaire. Alors, il y a un sermon de saint Bernard sur l'Annonciation où saint Bernard prend le rôle et prend comme témoin les gens à qui il s'adresse, comme s'ils étaient des supporters dans un match de foot pour encourager
une équipe. Là, il s'agit pour Saint Bernard d'encourager la Vierge Marie. À quoi ? À dire oui. Parce qu'elle aurait effectivement pu dire non. Et de fait, l'enjeu de cette annonciation, c'est pas simplement la suite de l'histoire. Non, c'est une reprise de l'histoire. C'est une occasion extraordinaire de repartir du bon pied. Alors Saint Bernard est là. Vas-y, Marie, dis oui, ne tarde pas. Qu'est-ce que tu attends ? C'est pour nous, c'est pour toi, c'est pour le monde entier. Allez, s'il te plaît. Mais c'est très émouvant. C'est très émouvant. Mais je crois que, en même temps que très émouvant, voire drôle, c'est aussi très profond. C'est-à-dire que Marie, bien sûr, est la première à avoir intérêt à ce que Dieu vienne visiter l'humanité et lui apporte un sauveur, une énergie complètement nouvelle. Mais nous aussi, dans la situation où nous sommes aujourd'hui, en décembre 2024, nous, 23, nous avons besoin de la force du Seigneur. Nous avons besoin des sacrements, nous avons besoin de la messe, nous avons besoin du baptême, nous avons besoin du pardon, nous avons besoin d'être fortifiés quand nous sommes malades. Souvent, on ne se rend pas compte de ce que l'Évangile, de ce que la vie de l'Église, vie de prière, vie sacramentelle, vie de service, vie de charité, vie familiale, vie sociale, nous apporte comme encouragement. On aurait pu passer à côté si Marie n'avait pas accepté. Et combien de fois, et c'est ça notre péché, combien de fois passons-nous à côté des grâces que Dieu nous donne, des secours qu'il nous propose, et soit nous ne faisons pas attention à ce qu'il nous dit, à ce qu'il nous donne, soit, et c'est peut-être encore pire, nous préférons disposer de nous-mêmes et n'en faire qu'à notre tête. Or, Dieu nous prend très au sérieux, comme la Vierge Marie d'ailleurs est prise très au sérieux. Justement, elle n'est pas obligée, nous ne sommes pas obligés non plus, et pourtant, nous comprenons qu'il faut le faire. Et ça ne va pas sans un certain trouble. Il n'est pas évident que Dieu puisse venir à notre secours en nous faisant participer à la régénération, à la reconstruction de ce que nous cassons. Mais Marie, d'une part, est très troublée, d'autre part, sa question peut être prise soit comme une question polie, soit, au deuxième sens, et ce soir, j'ai envie d'essayer, un peu comme une sorte de protestation. C'est-à-dire, non pas simplement comment cela va-t-il se faire, mais comment cela pourrait-il se faire ? Parce que à échelle humaine, je ne connais pas d'homme, à échelle humaine, ça ne marche pas. Les anciens ont essayé, ça ne marche pas. On fait la comparaison avec le royaume de David. Ben, ça n'a pas beaucoup marché, quand même. La succession de David a été un véritable désastre. Avant la messe de minuit, c'est rare qu'on la célèbre, on reprendrait le premier chapitre de Saint Matthieu avec la généalogie humaine de Jésus et notamment les rois qui vont entre David et Joseph. Ça fait quand même 14 générations et ce ne sont pas des quartiers de noblesse. La plupart de ces rois ont été des traîtres par rapport au plan de Dieu. Donc on va dire que David avait fait de son mieux pour sa dynastie. Ça n'a pas marché. David voulait bâtir un temple pour Dieu. Dieu lui a dit, tes mains sont pleines de sang, c'est pas toi qui es capable de bâtir un temple. Moïse avait été choisi de manière providentielle et miraculeuse pour être le sauveur de son peuple. Il avait échappé enfant à l'assassinat. Il avait été élevé de manière miraculeuse à la cour de Pharaon, donc c'était lui qui devait sauver son peuple avec la main de Dieu. Et qu'a-t-il préféré faire ? Il a préféré tuer un Égyptien qui maltraitait un de ses frères. Mais ce n'est pas par la violence que Dieu vient nous sauver. Il y a toujours ce discernement que nous devons mettre en œuvre pour analyser, comprendre et obéir à ce que Dieu nous signifie. Et la manière que Dieu a de nous sauver est quand même très originale. Moi, ce que je crois très sincèrement,
c'est que dès l'Annonciation, Marie voit que ça va se passer de manière extrêmement violente. Et c'est ça qui la trouble. Elle n'est pas naïve. Elle se dit pas ça va être un conte de fées. Elle se dit ça va être un chemin de croix. Et sur ce chemin de croix, je devrais y être. D'ailleurs, dans 40 jours, nous verrons comment le vieillard Siméon dit à Marie qu'un glaive, rien de moins, percera son cœur. Charmant pour une jeune maman qui se dispose à faire la volonté de Dieu. Mais ce que Marie doit voir aussi, et c'est pourquoi elle conclut, voici la servante du Seigneur, donc elle s'engage, elle accompagne parfaitement le plan de Dieu, c'est que même si ce chemin est un chemin de croix, c'est un chemin de croix qui mène à la lumière et qui mène à la vie. Et Jésus lui-même a appris, et peut-être et pourquoi pas de sa mère, oui bien sûr de son père parce qu'il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, n'empêche que dans sa condition d'homme, il a parfaitement pu apprendre de la Vierge Marie ce qu'était de vivre un chemin de croix, non pas pour le plaisir de souffrir, certainement pas, mais parce qu'au bout de ce chemin de croix, il y a un chemin de vie. Et la mort sur la croix va ouvrir à cette extraordinaire perspective de la résurrection d'entre les morts. Et Marie doit être autant troublée par le coup, et par le côté du rail de ce chemin de croix, que par l'énorme qualité de vie qui est promise aussi par Dieu. Nous sommes faits pour vivre dans la gloire. Et Marie nous accompagne dans ce chemin. On en a un bel exemple, d'ailleurs, dans la deuxième lecture. Dans la deuxième lecture, nous avons la fin de la lettre de saint Paul aux Romains, qui est pleine d'espérance. L'obéissance de la foi nous conduit vraiment à la gloire. Mais rappelons-nous comment Paul commençait cette même lettre aux Romains. Paul nous dit, alors Paul, il n'y a pas plus courageux, il n'y a pas de témoin plus offert et plus vivant et vivifiant que Paul. Il commence par dire, « Oh, je ne rougis pas de l'Évangile. » Monsieur Castagnier appellerait ça une litote. Et je ne rougis pas de l'Évangile. L'Évangile, c'est pas commode. C'est pas un chemin de rose. Et Paul le sait. C'est un chemin sur lequel il y a bien des épreuves, mais on croit que ce chemin aboutit à la vie. C'est pourquoi nous aimons l'espérance des prophètes. C'est pourquoi nous aimons célébrer la venue de notre Sauveur. C'est pourquoi nous aimons qu'elle nous achemine vers la lumière de Pâques. Et nous aimons que Dieu soit entré dans notre histoire, notre épaisseur humaine, parce que il reconstruit notre humanité jusqu'à la rendre glorieuse et lumineuse. Mes amis, il faut tout essayer, au sens de « il faut tout accepter ». Prenons au sérieux les épreuves, prenons au sérieux aussi l'espérance. Et c'est en les mesurant l'une à l'autre que nous pourrons goûter les fruits que nous célébrons dans l'Eucharistie et que nous pourrons inviter nos prochains à venir se réjouir en célébrant la messe. Amen. Répondons nous-mêmes, comme la Vierge Marie, à l'annonce qui nous est faite en disant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, prions et implorons avec confiance Dieu, le Père Tout-Puissant, implorons sa miséricorde pour qu'il nous ouvre à une espérance renouvelée.
Prions pour notre pays, pour que les fêtes qui approchent suscitent un esprit de solidarité et de fraternité. Prions le Seigneur. Que les foyers les plus éprouvés se réconcilient à l'occasion de la venue du Sauveur. Prions le Seigneur. Que Dieu donne à son Église et au diocèse de Paris en particulier la joie de voir naître et de grandir de nouvelles vocations de prêtres. Prions le Seigneur. Réponds à nos prières, Dieu très bon, comme tu as répondu aux prières de ton Fils, lui que tu as ressuscité d'entre les morts et qui est vivant et vivifiant pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Ces offrandes déposées sur ton autel, Seigneur, que l'Esprit les sanctifie. Lui dont la puissance a fécondé le sein de la bienheureuse Marie par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints dans le ciel, nous voulons te bénir sur la terre, en chantant d'une seule voix. «
toi, Père très aimant, nous te prions et supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes, ces dons, sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la, daigne l'assembler dans l'unité, la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Laurent, et tous ceux qui gardent finalement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre, Paul, André et tous les apôtres et tous les saints. Nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accueille-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père tout-puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Même après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection, du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le Juste, le sacrifice d'Abraham, notre père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi,
et qui dorment dans l'esprit. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la paix et la lumière par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance grâce au don du Saint-Esprit en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe et Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Soutenu par le regard bienveillant de la Vierge Marie qui veille sur nous tous, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, libérés du péché, nous serons à l'abri de l'épreuve. Nous qui attendons que se réalise la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, qu'elle en soit le signe parmi tous les hommes, toi qui vis et règnes dans les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donne-nous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ gardent la vie éternelle.
Rendons grâce ensemble au Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, car dans le sacrement de l'Eucharistie, nous célébrons et tu nous donnes le gage de la rédemption éternelle. Et nous te prions encore, à mesure qu'approche le jour où nous fêterons le salut, donne-nous une ferveur de plus en plus grande pour célébrer dignement le mystère de la nativité de ton Fils et nous aimer davantage les uns les autres, par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, ben on n'a jamais été aussi proche, puisque le quatrième dimanche est la veille du jour de Noël, donc vous avez les horaires de Noël et du 1er janvier, donc fête mariale importante sur la feuille paroissiale, et donc demain soir, ce sera la première messe de Noël, jusqu'à lundi soir. Nous dirons juste avant la bénédiction, c'est-à-dire on va le dire maintenant, si vous voulez bien, la prière pour demander des vocations, à la fois dans toute la France et spécialement aussi dans le diocèse de Paris. Vous avez ça dans la feuille paroissiale. Seigneur, nous croyons que tu appelles tout homme à aimer et à servir ses frères et sœurs. Tu appelles les croyants à chercher les chemins de l'amour que tu nous offres. Tu demandes aux chrétiens d'annoncer l'Évangile en suivant les pas de Jésus et en cherchant la sainteté. Nous t'en prions, donne à ton Église, au diocèse de Paris en particulier, la joie de voir naître et grandir de nouvelles vocations de prêtres par amour pour toi et pour tous ceux que tu aimes. Que les familles, les paroisses et tous les groupes chrétiens soient des lieux où s'épanouissent toutes les vocations, dans la vie laïque, dans le mariage ou dans le célibat, dans la vie consacrée et la vie religieuse, dans les ministères de prêtres et de diacres. Que chacun éprouve la joie de se savoir aimé, infiniment aimé de toi, au point de désirer mettre sa vie au service de ton amour. Nous te le demandons, à toi qui vis et règne, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce.